Bon bah salut à toi. Salut. Donc aujourd'hui on présente un Clio 3 RS, donc en bleu Monaco si je me trompe pas. Exactement. Ouais. Donc mécaniquement qu'est-ce qui a été fait? T'as la boîte à air, il y a juste un filtre qui a été changé. ITG ouais. Il y a quoi? Il y a la carte en stage 1 en 98. D'accord. Et après la ligne d'échappement. Ouais, l'échappement c'est quelque chose par contre. Donc là t'as une barre anti-rapprochement. Donc avec marqué Renault Sport juste ici. Esthétiquement, t'as la lame devant. Lame, les logos peints en noir. Les logos les jantes, peints en noir. Donc les jantes OZ. C'est des Lutra Leggera ça, non? Ouais, c'est ça. Donc en 18. Ouais. 17. 17. Avec badge OZ juste ici. Les cales, ouais, t'es en combien dessus? 20. Donc typique l'entrée d'air à la Clio 3 RS. Donc t'as les poignées en noir. Poignées pareil, ça t'est pas en noir. Les montants de porte. Montants de porte, émission de carbone. Le beau scorpion. À l'arrière, pareil. Tout pareil. Cale en 20. Tout pareil, priorité via au 4 points, la DF600. Donc après, t'as le béquet. Le IA, ouais. C'est pas l'accessoire Renault. Il rend bien celui-là. Donc après, à l'arrière. Un petit sticker ici tout au câble, diffuseur d'origine et les sorties, c'est la même taille que d'origine. Non, plus large, un petit peu plus large. On va y dessous. Donc, après à l'intérieur, on va voir l'intérieur. Donc, tu as les sièges confort, c'est ça? Ouais, les sports, ouais. En textile sur pied cure blanche. Avec le montant de porte pour nos sports. Donc t'as le pommeau de vitesse. Ouais c'est ça. Volant d'origine. Volant d'origine. Avec les fonds de compteur aiguilles gradués jusqu'à 260 km/h. Il y a quand même de la place dedans. En anthracite, ouais. Dans les rallyes, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle gueule! Elle fait des retours, c'est incroyable. T'avais essayé les décibels, non? Un petit peu, essaye d'essayer de lever le truc. Parce qu'à mon avis, catalyser comme ça, sachant que la voiture est catalysée. Hein. Mais la gueule, c'est incroyable. Tu sais que j'ai jamais vu une ligne catalysée qui fait ce bruit-là. Ouais, là c'est l'intermaison et le silencieux tu vois. Ça, c'est fou quand même. Combien là de avec le stage 1 du coup? Ouais, il l'a annoncé à 197,04, un truc comme ça. Ouais, à mon avis, elle sort un peu moins. Ils sont toujours bien gentils de base. Le fait du moteur Atmo, non, ouais. Si je pense. Ouais, c'est pas du tout ça. Après, ça suffit pour aux essais. Elle avait sorti, attends que je me rappelle.
Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Dans la boîte courte, ça va pas mal, je pense. Au calme. Merci. Malgueule, c'est incroyable comme malgueule. Après, je pense que quand tu fais des bornes, ouais, c'est ah non, c'est après, même en 6ème, tu dois être à 3000, non? À 130. 4002. Ouais, 4002, ouais, quand même, ça fait. Hein. 4002 ou 4030, je veux dire. Ah, c'est pas. C'est pas ce mais tu sais que je trouve, elles ont pas trop pris une claque, hein, les Clio 3 RS. Hein. Ah, même de la tendance, moi je trouve. Hein. Ouais. Ça va. Même ça, quand on voit les compteurs profilés comme ça, tu sais. Ah, franchement, je trouve même pas que ça a pris une claque. Hein. Y a pire. Même, c'est confortable, je trouve, quand même. Mégane 2, ça a pris une claque. Par contre, ouais, Mégane 2, ça a pris une claque. J'avoue, moi je suis en train de faire les façades là, je vais peut-être faire les façades en carbone. Ah, ça va être bien ça. Exclusif carbone, tu sais, avec le montant de casquette comme ça en carbone. Je vais voir, elle va peut-être refaire le volant. Ouais, l'intérieur il a pris une sale claque, ouais, la Mégane 2, je trouve. Je crois qu'il a collé un peu. Ça doit être. Même moi j'étais dehors à l'événement là, Drive Passion, elle laisse tomber. Bah là avant de venir, déjà on s'est fait jeter des chaussures dessus. Non. Et les riverains ils sont venus se plaindre après. Moi ce que je kiffe avec cette caisse c'est que c'est pas sonorisé du tout en fait. Ah bah là, un peu quand même, mais ça va. Il y a pire. L'ancienne que j'avais, c'est ma deuxième, je l'avais vidée à l'arrière et elle faisait moins de bruit que ça, c'était insupportable. Quand tu gardes les sièges et les isolants, ça passe. Mais qu'est-ce qu'elle gueule? Qu'est-ce qu'elle gueule? Incroyable le bruit qu'elle fait! Incroyable! Oh là, t'entends jusqu'au bout de la rue. Et j'avais oublié un petit détail, elle freine super bien la voiture. Après on peut pas exploiter aujourd'hui sur les routes parce que ça reste compliqué. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une voiture exceptionnelle. Regardez, on l'entend à 10 000 arrivées. Moi je trouve que dans cette même gamme, il n'y en a pas d'autres. Hein. Qui valent aussi valent autant le coup que celle-là. Avec la même gueule, non. Non, c'est sûr. Après les R27 on n'en trouve plus. Ah, c'est ça. Très cher. En plus tu sens qu'elle marche, elle a la santé la voiture. Moi ça va. Elle a moi, vraiment elle a la santé je trouve. Après elles sortent pas leurs chevaux quoi. Moi j'avais fait une Akrapovic. Et je trouve qu'elle marchait super bien. Là, quand tu commences à mettre 2-3 pièces dessus, mais. Non, mais ça marche vraiment. Franchement, je trouve que. Moi, je flippe l'œuf. On serait allé faire une balade dans les. Ouais, c'est sûr. Bah surtout qu'on fait la vidéo aujourd'hui parce que tu la vends du coup donc aujourd'hui c'est ta dernière balade entre guillemets. Dernière. En fait c'est fou c'est ce petit P en gros qu'elle fait au passage de rapport. Tu sais ça pète bien en fait. Ça, tu le fais à la demande ça. Ouais tu sollicites la pédale. Ouais, y'a rien qui passe. Dès que tu montes dans les tours, comment ça gueule.
d'elle la voiture.